Salut tout le monde, c'est Chirocourda et on se retrouve dans la nouvelle vidéo dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais faire donc une copie A, comme je vous ai dit précédemment, et je vais jouer Z pour me remettre dans le bain, étant donné que ça fait un petit moment, déjà d'une que j'ai pas rejoué sérieusement à League of Legends, mais aussi que que j'ai pas envie de me remettre directement comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, excusez-moi, je bafouille un peu. Donc voilà, on va jouer une partie IA en tant que mid laner. Et puis on va voir ça ensemble. Alors par contre, vous avez pas le son normalement du launcher, je vais peut-être le rajouter, ça attendez. Son sortant, hop, hop. Voilà. Normalement, vous avez le son maintenant. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, il y a déjà un mid, un top, un bot, deux bots. Finalement, je vais devoir jouer en tant que jungler. Alors, du coup, je vais pas jouer Z. Ah, petit contretemps. Je vais jouer Lee Sin et j'adore jouer Lee Sin, donc ça va être très drôle. Exécuteur ou réduit CD? Réduit CD, c'est bien. Avec ça, évidemment. Hop. Allez, je suis paré. Alors, quel skin? Lee Piscine ou. Le skin de base ou même Lee Sin point divin. Moi j'aime bien Lee Sin point divin. Pour information, c'est vraiment le skin que je trouve le meilleur quoi. Enfin, visuellement, même les sons, tout est fait pour être agréable en fait avec le Lee Sin point divin. Donc voilà. Ça j'aime bien. Alors, je vous demande un instant, je vais juste vous changer du coup l'écran. Alors normalement c'est capturer une fenêtre spécifique. Ça devrait capturer la bonne fenêtre là, non? Attendez, je vais. Ouais. Je vais mettre OBS sur mon autre écran. Comme ça, j'aurai le visuel de OBS et le visuel de mon jeu. Ah, très bien. Ben là, voilà, vous voyez, j'ai quelque chose qui me convient correctement, quoi. Ah là, je suis content parce que OBS ça me permet aussi d'avoir le visuel direct sur la vidéo. Et donc, si je stream ou que je fais des trucs comme ça, bah, j'aurai en même temps le visuel et ça me plaît. Ça, c'est vraiment bénéfique. Excusez-moi, je retourne sur le jeu. J'étais parti. Ah, voilà. Je suis tellement pressé. Je suis vraiment pressé de faire des lives. Ah, attendez, je vois que. Voilà, je vois que le son est déjà un peu trop fort. Mais ça, c'est vraiment une révolution. De pouvoir voir ça, de pouvoir tout gérer en fait. C'est vraiment un truc de fou. Alors, je tiens à dire que. Que je suis assez confiant. Alors, j'ai fait un gros break sur League of Legends parce que j'étais en train de péter les câbles, en fait, tout simplement. J'arrivais plus à m'amuser. Alors que de base, League of Legends est un jeu. Était censé pouvoir t'amuser, en fait, dans le jeu. Et j'en suis arrivé à un point où je m'en battais littéralement les couilles, en fait. C'est. Je voulais juste péter de la gueule et puis c'est tout. Et ça, j'ai pas aimé, donc j'ai fait un gros break League of Legends. Je jouais parfois, mais c'était des parties où je commençais à m'en foutre de gagner et de perdre. Et du coup, là, je recommence à prendre plaisir à jouer correctement. Parce que faut savoir qu'en fait, avec la mentalité des joueurs, bah, votre mentalité à vous, elle change en fait. Et donc c'est ça, c'est le seul problème que j'ai rencontré sur League of Legends. Non, monstrueux son petit pool. C'est très très bien.
En Lee Sin, je le connais et je le reconnais. C'est un personnage que je joue beaucoup récemment parce que c'est un bon personnage en fait. C'est vraiment un très très bon personnage. Là, regardez, je vais gank niveau 2. Eux, ils vont passer niveau 2 quand je vais arriver s'ils savent farmer. Non, ils savent pas. Voilà, ça s'est pas farmé. Vous voyez, c'est vraiment hallucinant la puissance de Lee Sin. Elle va le bump. Ah, très bien joué. Voilà, donc parfait. Sachant que là, comme on est contre des bots, bah, je peux rebondir après sur la. Sur la jungle adverse. Putain, c'est grave chiant quand ça fait ça. Oh, je sais pas s'il y a des gens compétents qui me regardent. Si ça se trouve, je fais de la grosse merde. Putain, l'enfoiré. Je la tue, hein, je la tue. Qu'est-ce qu'il fait? La meuf, c'est un groupe, hein. Mais ça... La meuf, c'est un groupe, hein. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Après, c'est un bot, mais je sais pas pourquoi le bot il fait ça. Il se dit pas, tiens, je vais calculer, faut que je puisse survivre, je sais pas. Ah, pareil, je me fais le raid easy peasy. Hop! Avec un petit smite au cas où. Et là j'arrive mid et puis je vais péter Morgana. Voilà. Easy peasy. Facile hein. Mais Lee Sin c'est vraiment un personnage vraiment facile à jouer. Hein. Enfin facile. C'est un personnage où faut quand même un minimum de skill, mais t'arrives à surmonter un peu tout quoi. Et par peu tout, j'entends pas le bisou. Je dis un peu tout. Putain, je suis pas drôle. Il y a 4 viewers qui se sont barrés, les 4 seuls viewers de ma chaîne. Vous voyez, moi j'aime bien jouer contre des bots aussi. Pour les joueurs, les nouveaux joueurs et tout ça, moi j'aimerais trop jouer avec des nouveaux joueurs, tu vois, parce que ça me ferait plaisir de partager des moments avec des nouveaux joueurs, d'avoir un peu de difficulté dans la partie, et puis... m'amuser quoi, faire des trucs stylés avec Lee Sin quoi. Parce que c'est pas contre des vrais joueurs que je peux un peu abuser de mes possibilités, c'est vraiment avec des ordinateurs. Ah non, fais pas ça hein. Elle se retourne, elle t'aurait tué si elle avait un minimum d'intelligence humaine. Oh merde, j'ai raté! Comment j'ai fait? What the fuck? J'ai raté ça! J'étais au corps à corps! Ah, je suis pas Gripex, hein! Je suis vraiment un bronze. C'est comme ça qu'on reconnaît les bronzes en fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me régène sur sa gueule. Très bien, donc je me suis régène sur le carapateur. Wow 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 wow. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir aller ici. Mais faut le smite directement avec Lee Sin parce que j'ai par expérience c'est vraiment le pire des corbeaux en fait. Eh mais Riven elle a du mal hein. Oh putain. Voilà. Pff,
En fait, je pense que pour entrer dans le moule de League of Legends, faut faire des classés solo duo. Sauf que les classés solo duo, ça a jamais été bénéfique pour quiconque en fait. Genre au niveau mental, t'es avec des gens qui feront jamais ce que tu veux qu'ils fassent. Parce que c'est des individus à part entière en fait. Et c'est là que ça bloque. Ah! Je vais attendre. Voilà. Parfait. Ah bah après faut savoir jouer un minimum Lee Sin, hein. C'est pas un truc inné, hein. Au cas où, hein. Je savais pas si elle allait s'enfuir ou si elle avait un flash. Donc j'ai préféré directement cut. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les bots, du coup, ils ont de moins en moins de. Sont de moins en moins présents en fait. Oui, donc là, la jungle que je fais, elle est vraiment merdique. Hein. Ne faites jamais ça en partie normale. Hein. Ça, faut pas faire ça. Hein. C'est de la grosse merde. Ah, j'en suis totalement conscient. Hein. C'est juste que là, je peux abuser clairement parce que y a pas de jungler adverse en fait. C'est juste ça. Hein. Ah, mais oui, mais comme je suis jungler. Le jeu ne remarque pas que je suis en ligne, et du coup le Nasus n'est pas là. Viens là, viens là! Viens là! Putain, mais il est con! Mais viens là! Mais je peux la buter, moi! Oh putain, il est débile. Au cas où, je sais pas si. Normalement, elle aurait pu mettre un E pour essayer de s'enfuir. J'arrive plus à parler. Hein. Mais je sais pas, elle a pas mis de E. Donc, j'ai quand même prévu. Comme si c'était un joueur normal. Mais en vrai, ils savent pas faire ça les bots. Donc, J'ai préféré le shield. Bon, bah je back, je prends mon premier item. Ah! J'ai pas pu. Excuse-moi, ma réaction était bien trop lente en fait. Ah, tire-le! Putain, t'es nul. Ah. Ah! Caca, j'ai grid. Mais j'ai mal géré parce que de base j'aurais voulu la pousser là et je l'ai poussée là malheureusement sous la tour. C'est dommage. C'est ça en fait qui m'a tué. C'est parce que j'ai mal visé. J'aurais dû me repositionner avec une ward directement. Ça aurait pu me permettre de faire le nécessaire. Oh putain, qu'est-ce que tu fais? Oh bah les cons! Bon, moi aussi j'ai fait une connerie de ce genre, donc je peux rien dire là-dessus. Ça arrive. Et plus souvent quand t'es bronze que quand t'es diamant. Bah toi t'es morte, hein. Ah non. Bravo pour le shield. Bah, je vais rester en botlane, hein. Ils sont deux, donc ça me fait plus plaisir qu'autre chose. Mais je vois, c'est vachement fluide en fait. Vous voyez ma petite tête là? Moi je la vois pas. Bon, je vais faire un petit Drake. Ça va faire plaisir à la team. C'est un peu late hein, pour un Drake, mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin de Drake contre des bots. Non plus. Donc. On bat les couilles en fait. Oh merde, j'ai pas activé mon vol de vie.
bravo. De toute façon, c'était sûr qu'ils avaient secure le kill. Je me suis pas arrêté là-dessus. Y'a pas grand-chose à faire là. Hein. Là, je fais une ronde entre les camps, mais. Je peux pas vraiment gank en fait. Alors, attendez. Je vais aller par là. Je pourrais pas, elle retourne sous tour la meuf. Je sais pas pourquoi. On va attendre sa wave pour qu'elle s'avance trop. Voilà. J'avais même pas besoin de la kick. En vrai j'avais prévu de la kick, mais vu les dégâts que je lui fais, qui sont totalement insane, y a vraiment rien besoin de faire là. J'ai juste tapé auto-attaque, ça fait proc l'électrocute. Voilà, le Thunderlord pour les connaisseurs de l'ancienne version. Je suis un peu nul hein. Je flash. La meuf elle l'avait pas là, c'est. Putain. J'ai cru qu'elle allait pas l'avoir en fait. Hop. Parfait. 60 gold comme ça. Ouais, elle est niveau combien? 9? Ah ça va, 9 hein, pour quelqu'un qui se fait démolir la gueule. Ah! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non! Oh la pourriture! Je suis vraiment pourri! Tiens, cochon va. Comment je vais faire là? Je vais back. Putain, j'ai utilisé mon ultime. Je suis con aussi. Oh. Je suis vraiment nul. Bon. Alors. Ça. Ah, va-t'en! Va-t'en! Oh, le sagouin. Ah, il a failli clumsy. Hein. J'aime bien mon interface, mais en fait, j'aimerais bien un overlay si possible. Faudrait que je vois pour me prendre un overlay. A l'époque, je voulais mettre un overlay avec Action Myridis. J'ai remarqué que c'était de la merde. Donc, voilà. En fait, ça s'adaptait mal avec Action Myridis, mais c'était l'ancienne version. Alors, peut-être qu'ils ont mis à jour. Oh, a failli prendre cher, hein. Elle a failli prendre cher. Oh, putain. Pourquoi on me suit? Ah! Ça a rien pu faire. Ça a rien pu faire en vrai. Ah putain, on les a débolis. Ils étaient vraiment déboîtés là. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien les bots. Moi, je sais pas, il y en a d'autres, ils veulent du challenge. Moi, j'en veux pas, je veux juste m'amuser en fait. C'est ça le truc. Si tu veux juste t'amuser, t'as pas besoin de jouer comme des vrais joueurs. Voilà. Là, il y a que quand je joue contre des ordis que j'ai des teammates. Je vous jure, j'ai jamais eu un teamplay de ce genre contre des joueurs. Parce que je joue avec des bronzes en fait. Et les bronzes ne comprennent pas que jouer en équipe comme ça, avoir une synergie au sein de l'équipe, c'est nettement meilleur que n'importe quoi en fait. Ils pourront jamais avoir mieux qu'avoir une synergie. Au sein d'une équipe. Ah hein. Ah! Ah! Oh putain! Oh putain! Non, je suis mort! Ah, oh, sagouin!
Je l'ai déboîté quand même. Je suis très content. Mais attendez, mais je me dis, mais Trinity, c'est énorme sur, sur Lee Sin, non? Après, je suis peut-être bronze, hein, c'est pour ça. Mais je me dis, le proc de brillance sur, sur le Q-Spell et l'auto, sachant que je peux aussi mettre un Sterak et une plaque du mort, mais finalement, ça va faire un punch de ouf, en fait. Parce que regardez, la Trinity, ça me fait une first attack qui fait des gros dégâts, en fait. Ça m'augmente la vitesse de déplacement. Voilà, équivalent à 200% de mes dégâts d'attaque de base. Donc je fais déjà 200% d'attaque de base. Sachant que je gagne déjà 50% avec le Sterak. Et que, bon, je suis plus résistant avec le Sterak. Et avec la plaque du mort. Ça me fait 100 dégâts magiques avec la plaque du mort. Donc mon auto-attaque, elle est immense. C'est un truc de malade, ça pète absolument tout. Et avec le plus de 100%, ça démolit tout en fait. Je me dis, c'est peut-être pas si bête que ça, mais peut-être que ça dépend des match-up. J'ai préféré Sécure. Je suis con moi. J'ai pas besoin puisque je suis feed. Habitude de jouer contre des joueurs. Qu'est-ce qu'elle veut là? Ah. Moi j'aime bien. J'aime bien les bottes. Regardez quand il back. Merde, j'ai back. Ah putain, je suis con moi. Ah, oh, je suis con. Je suis débile. Alors. Bon, on a fini. En tout cas, voilà quoi. C'est assez sympathique. Je trouve que je pourrais peut-être tenter Trinity et tout ça en fait. Voilà, donc hop, le lobby. Génial, mais c'est vraiment génial. Je rejoue, je vais faire une autre partie avec vous. Je me dis, je vais peut-être prendre Nasus. Sterak, Trinity, Sterak, Plaque du Mort. En top lane. Et dans ce cas-là, je ferai par la suite un... Du critique avec l'âme dentelée et tout ce que vous voulez. Ok, il est vénère celui-là. Ou peut-être un truc vraiment plus simple avec Z. Ou Yasuo, hein. Yasuo c'est très marrant aussi. Ou il y a du haut. J'hésite. Bonne idée. La lame Epic Z. Et la plus dangereuse. Lequel? Ah, alors lequel? Projet Z, allez. Hop, projet Z. Je vais vous décaler sur la bonne fenêtre. Mumu, là, vous voyez pas, il a un fantôme et il a le même icône que les autres. Donc, attaque pour se déplacer plus vite, TP, fantôme. En vrai, ça, je peux le retirer, ça. Hop, vous voyez.
C'est pour ça que j'aime OBS et que j'ai envie de passer sur OBS. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités et que je peux gérer le son directement. Donc ça, c'est vraiment un plus remarquable. J'espère que le son sera correct. Sinon, j'aurais appris comment on voit que le son est correct sur OBS, quoi. Là, normalement, il est correct, hein. What? Ok, le gars qui a dit mid, il veut aller au top. Mais il est bête en fait. Z, c'est pas un midlaner contre des bots. Allô? Je peux même jouer en jungle, ça marche bien contre des bots. You call me mid for going top? Ah oui, oui, c'est ça. Elle est bizarre Akali, hein. Elle est vraiment bizarre. Peut-être qu'elle a cru que je la... Peut-être que le joueur a cru que je le défiais en prenant Z parce qu'il sait pas que je peux jouer contre le mid avec Z. Je sais pas. Il fait quoi ce bot aussi? Il bouge nawak et tout. Oh le bâtard. Merde, je suis empoisonné. Merde, oh. Non mais, il va arrêter de me faire chier. Le pire, c'est que les bots, en fait, au mid, ils font non-stop ça, en fait. Non-stop ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il va aggro, et après, il va mourir, en fait. Ça, le truc. Pour l'instant, je respecte parce que j'ai pas les dégâts. Je respecte un bot, quoi. What the fuck. Il s'en bat les couilles, le bot, qu'on le respecte ou pas. Voilà, et là, elle est morte. C'est incroyable, hein. C'est là qu'on reconnaît des bronzes, des pas bronzes et tout, parce que même les bronzes font des erreurs comme ça, en fait. C'est qu'à un moment ils se croient trop en confiance et après hop ils viennent sur ta gueule et puis ils meurent. C'est débile hein, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit il faut respecter. Là on regarde. Le mid ne respecte pas. Bon, j'ai quand même tenté de le toucher. Regardez-moi ça. Incroyable ce qu'elle fait là. Elle me zone alors qu'elle a un niveau de retard. Et elle utilise tout son mana, cette Cassio. Ah, ça va pas attaquer, c'est bizarre ça. Bon. Et voilà. Donc je back.
J'aurais pu prendre un first item, comment ça s'appelle? Voilà, un ex-drinker pour justement contrer le fait que elle me poke comme je sais pas quoi. Mais en vrai, j'en ai rien à foutre parce que je vais passer 6. Et que du coup, ça sert à rien, quoi. Là, j'arrive. Je prends quelques creeps, voilà. Je la poke. Puis ça fait le taf tout seul, quoi. Elle veut vraiment pas s'approcher, hein, croyez-moi. Je vous l'ai dit. J'aime bien les bots. Ça prend pas la tête, tu sais que tu gagnes. Le but c'est quand même de gagner quelque part. Non, sérieux, cette tourelle. J'ai encore une fois mon ignite que je n'ai pas besoin d'utiliser dans ce combo là. Non mais c'est incroyable, elle vient et meurt, elle vient et meurt, elle vient et meurt. Et ça c'est dommage que Riot n'ait pas fait quelque chose contre ça, c'est que les bots ne réfléchissent pas, ils meurent, ils se disent pas oh ben je vais pas faire ça la prochaine fois, tu vois. Et résultat, on a des bots vraiment cons, quoi. Qui forcément, n'aident pas les nouveaux joueurs qui comptent des bots intermédiaires, ne rencontrent pratiquement aucune difficulté. Enfin, ils en rencontrent au tout début. Après, quand ils apprennent à bien jouer, voilà. Quand t'as ça, par exemple, tu vois bien que le bot adverse n'en a strictement rien à foutre. Encore une fois, je lui ai refait le même combo. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Ah, il me faut cette tour, moi, absolument, moi. Par contre, le truc vraiment nul contre les bots, c'est que du coup, tu fais que te taper de la tour, hein, concrètement. Oh, chier! Oh, chier! Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh non! Ah putain! Bah, j'ai pas cherché. J'ai déjà raté 2 fois. Je suis nul alors bon. J'ai pas cherché plus loin. Voilà, encore une fois, elle va mourir très rapidement. Ouais, je vous montre. Hein. Ah. Là, on voit la drogue, ce qui arrive. Atrox qui n'a pas réussi, malheureusement, à faire quoi que ce soit
contre Cassiopeia qui est bien trop forte. Niveau exécrable. Voilà. Et là je peux back et prendre mon premier item. Que j'aurais dû faire depuis longtemps. Le gars il comprend pas c'est quoi la nouvelle Akali qui peut se mettre invisible sous tour. Évidemment, Akali qui peut se mettre invisible sous tour, on va pas se mentir, c'est un peu abusé. Hein. Je pense que Riot a fait une grosse erreur. Hein. Invisibilité sous tour? Depuis quand en fait? Il n'y a jamais eu ça de toute notre vie en fait. Regardez, je vous montre. Voilà, c'est un bâtard parce qu'il m'a pris mon kill. C'était le mien, hein. J'avais sécure et tout. Là, il m'a pris mon gros. C'était le mien, j'avais sécure et tout. Je vais prendre ça. Hein. Oh putain, elle est là. Ouh. Ah, j'ai eu chaud. Ouais, genre. Ah ah. Tiens, cochon, va. Hop, et là je back. Toxique Akali. Mais non, c'est pas Akali qui est toxique, c'est Darius qui dit que Akali c'est un noob champ. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas League of Legends, c'est parce que la communauté elle dit toujours de la merde. Oh, croyez-moi ou non, il est 15h42, je vais prendre mon petit goûter après. Voilà pourquoi j'aime bien faire des trucs genre comme des lives ou des trucs comme ça, j'aime bien tout simplement. J'aime bien faire des vidéos en fait. Partager ce que j'aime. Peut-être d'autres personnes. Peut-être d'autres personnes qui aiment ça. Hein. Moi personnellement, bon. Quelqu'un qui fait du beau jeu, que ce soit contre des bots ou non, il fait du beau jeu. Hein. J'ai envie de vous dire. Après là, c'est ce qui est chiant, c'est de voir des bots qui courent tout droit. Ouais, ils sont en train de finir, je vais quand même prendre cette tour. Voilà. Ah bah j'ai attendu, hein, j'ai attendu et j'ai fait le... Ah.
Voilà, bon, bah, c'était sûr de toute façon. À moi les creeps. Atrox aussi, c'est un peu pété. Hein. Atrox, Akali, en fait, tous les nouveaux, tous les rewards qui sont pétés. Ça, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc, c'est pété. C'est n'importe quoi. Voilà. Doublé. Incroyable, fini tous les kills. Légendaire, qui disent. Ouh, allez, hein. Ah, j'ai pas fait grand chose, malheureusement. J'ai pas été très très. Hop, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et ça. Ah, quoique, ça, ce serait peut-être mieux. Pour la... Ouais. Pour la CDR. Ombre vivante, ça s'appelle? Ah ouais, j'ai jamais vu. Ah bah c'est bien, bah voilà, il a fait un autre kill, quadruplé. Et interruption. Beau jeu. Bon bah voilà, on a fini, hein. C'est du GG haul pour tout le monde. Enfin, pas pour les ennemis parce que c'est des bots. Malheureusement, on peut pas faire. Cleaverworks. Je sais pas c'est quoi. J'en ai tué deux. En fait, il y a que moi qui ai fait du kill, concrètement. Le mec là va mourir alors qu'il a fait zéro kill. Ah si, il en a fait un, bravo. Il est pas mort. Ok. C'était chaud, hein. Il a failli ne pas en faire. En tout cas, ouais, c'était vraiment sympa. Je pense que... Hop, on quitte la partie. Je vais vous remettre sur le lobby. Hop, voilà, tranquillement. Ouais, j'ai eu une restriction de messagerie en fait, parce que j'ai ragé contre des mecs, parce que voilà, j'étais en mode pas très bien il y a quelques temps. Voilà. Donc j'ai terminé la restriction. Alors, les cartes. Par contre, j'ai des cartes de merde un peu. Il me manque toujours autant de coffres. Bon, en tout cas, c'était une vidéo YouTube assez sympathique, je pense, dans le sens où je vous ai montré un type de jeu que vous ne faites pas, en fait, tout simplement, alors que c'est, je pense, l'un des types de jeux les mieux réussis, en fait. Et je pense que c'est... Alors, attendez. Ouais. Je pense, en effet, qu'il est préférable, voilà, de jouer contre des bots plutôt que de jouer contre des gens qui nous déboîtent non-stop. Et moi, j'aime bien les jeux où c'est pas spécialement gagner qui m'intéresse, mais où il y a une aventure sans te prendre la tête, en fait. Et c'est pas ce que j'ai trouvé dans League of Legends. Donc voilà, je refais des parties bots. Je vais, donc là, j'en ai fait quelques-unes. Donc, je pense m'arrêter là. J'en ai fait deux avec vous, donc je pense vraiment m'arrêter là pour les parties bots. Maintenant, je devrais reprendre du coup les parties un peu plus intéressantes contre des joueurs, en fait. Voilà. Donc je vous dis en tout cas à bientôt, à la prochaine vidéo. Et puis j'espère revenir à très bientôt et si possible faire des lives très bientôt aussi.